Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Alors, j'espère que tu as le temps parce que j'ai reçu 5 toiles. Je t'explique le chemini mini blick de Diamond Painting. Tu sais, c'est ma boutique chouchou. Je les adore. Ils sont super. Niveau suivi client et tout et tout. Vraiment, ils sont tellement adorables. Et là, j'ai eu envie. Donc, ils m'ont proposé. De me renvoyer des toiles. Mais le truc, c'est que les deux dernières fois, donc là c'est la troisième, qui m'envoie des toiles pour que je vous montre un peu les nouveautés et tout. Mais les dernières fois, ils m'envoyaient les toiles, mais sans que je les choisisse. Et donc là, je leur ai dit, ouais, mais enfin, j'aimerais bien choisir parce que si on m'envoie des toiles, autant les faire. Mais faire des toiles que j'aime bien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai choisi donc que des nouveautés en diamant carré. Et donc, ils m'ont envoyé 5 toiles. Dont une 50 par 40. Parce que je voulais voir les grandes toiles. Alors, on va commencer la première qui n'est pas du tout de saison. C'est une toile, j'ai envie de dire, assez abstraite, mais pas tant que ça. Tu vois, en fait, c'est deux mains qui s'ouvrent sur un papillon. Et justement, tu vois, c'est parce que la toile, on voit pas. C'est assez difficile de distinguer le motif. Donc, la toile, elle est super épaisse. Et donc j'ai ouvert pour regarder un peu les diamants et tout, pour vérifier les diamants, et j'ai remarqué que les diamants carrés, nous avons une toile coulée, et les diamants ronds, nous avons une toile double face. Et les diamants carrés, nous avons des sachets zippés numérotés. Et les diamants ronds, ce sont des ribambelles. J'ai remarqué ça. Après, je peux peut-être me tromper. Mais j'ai pas l'impression. Parce que j'ai regardé mes autres toiles que j'ai reçues avant. Tous les diamants ronds, ce sont la colle double face. Et les diamants carrés, c'est de la toile coulée avec les diamants en zip comme ça. Alors, je te montre. Les diamants. T'as vu, on a un panel de couleurs vraiment sublimes. Ils sont rangés dans l'ordre. Donc, je ne vais pas te les ouvrir. Comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait de kit? De tout le kit. Attends. Non, c'est pas celui-là. Attends. Je reviens. Donc, je disais donc, je demande le toolkit. T'entends le rire de Bibou qui se fout de moi derrière. Attends, t'as vu, on a un bon pain de colle. La petite barquette que personnellement je n'aime pas. Un stylet, de ce qu'il y a de plus simple. Des sachets et la pince. Qui sert à rien. Mais c'est bien pour commencer, tu vois, mais c'est pas ma pince préférée. Et donc, la toile, elle est trop belle. Elle est de super bonne qualité. Elle est épaisse. Alors, attends, je vais la rouler dans l'autre sens. Parce que comme c'est une colle roulée, on peut l'enrouler. Avec une toile comme ça, tu peux pas l'enrouler.
T'as vu, petite parenthèse, là, le petit trou dans la toile ici? C'est Bounty qui l'a fait ça. Donc voilà, la toile, elle est trop trop belle. Ah, c'est bien, tu vois mieux. Hein. Tu la vois carrément mieux en caméra, à la caméra qu'en vrai. Regarde, elle est super jolie. Avec vous qui galère avec Naya. Naya, elle n'a pas envie de sortir. T'as vu les couleurs et tout. Je te montre les symboles. Vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. La toile est canon. La toile est vraiment très bien. Les symboles sont vraiment super jolis. Et là, il y a une écriture. C'est Kiss. Kiss, je crois. Ouais, ça a l'air d'être ça. Kiss. Vraiment, la toile à la terre, elle est vraiment belle. Alors, toutes les toiles que je vais te montrer, il y a 24 couleurs. À Diamond Painting et abonné aux 24 couleurs. Mais vraiment, moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Ils prennent en charge. Oui, ma fille. Tu as entendu la douce voix de ténor de Naya. Ils prennent en charge la taxe douanière. Donc, aucun souci. La toile est de très bonne qualité. Elle est vraiment super épaisse. Franchement, il y a un petit truc à te dire aussi. La dernière fois, lors de mon dernier unboxing, il y avait certaines toiles où il me manquait des diamants. Et du coup, ils m'ont renvoyé les diamants. Alors, ils m'ont renvoyé les diamants. Ils sont vraiment, 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 ce sont des amours parce que j'avais besoin dans la toile, pour la toile en question. J'avais besoin d'un seul sachet. Ils m'en ont envoyé 8. Ils m'ont envoyé 8 sachets de la couleur. Alors vraiment, ils sont adorables parce que ils auraient pu me renvoyer juste un sachet. Et puis voilà quoi. Non, ils m'ont envoyé avec ma commode suivante. Ils m'ont rajouté 8 sachets de la couleur. Et ils m'ont renvoyé sans aucune difficulté les diamants qui me manquaient de l'étoile. Donc vraiment, vraiment, ce sont des amours. Ils sont super réactifs. Maintenant, on va passer à... Parce que j'ai des toiles Halloween et j'ai des toiles... d'hiver et Noël. Donc, ça c'est Halloween, ça. Alors, ça c'est plus une toile d'hiver. Tu vas voir. C'est un paysage. Il est trop belle. Je ne te répète pas à chaque fois. Hein. Vraiment, toutes les toiles sont de la même qualité. Toutes sont épaisses à souhait. Et il y a 24 couleurs sur les 5 toiles. Donc voilà, je vais te répéter à chaque fois. Le toolkit de base, tu vois, sans sachet. Regarde les diamants dans des sachets zip numérotés. Regarde-moi cette couleur. Elles sont canon, elles sont trop belles. On est beaucoup dans le foncé, à part un peu de orange ici. Ce orange-là, il est beaucoup plus peps que tu ne le vois en caméra. Là, j'ai un gros paquet de... Alors, c'est pas du noir, c'est du 823. Et donc, ce sont des diamants carrés pour les 5 toiles. Et la toile, la voici. Ça, je pense que j'ai, tout comme l'autre,
Il y a pas mal de mosaïques. Donc c'est aussi une 30 sur 40, mais en format paysage. Regarde-moi ça. Cette beauté. Et je m'aperçois que j'ai oublié de te dire le prix de la toile précédente, mais je vais te dire ça tout de suite. Je te laisse admirer la toile. Ah, t'as vu? Je vais m'amuser avec le compétir. T'as vu l'arbre et tout là? Le sapin. Tout ça, c'est du bloc. Ici, c'est... Bon, on peut dire c'est du bloc. Autour de la lune, c'est du... C'est du confetti. Il y a beaucoup de confetti. À part le ciel. Ici, il y a un petit peu de bloc. Donc alors, la toile précédente. Donc, main ouverte papillon Noël. Elle est... Donc, la toile... Elle était à 12,07€ au lieu de 15,52€, puisqu'il y avait des promotions. Et la paysage ici, paysage de Noël dans la nuit avec cabane, sapin et bonhomme de neige, elle est à 10,34€ au lieu de 15,52€. Mais franchement, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais m'éclater, moi je te dis que je vais m'éclater. Ouais, on va bien s'amuser, je pense. J'ai hâte de finir ma grande lampe pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai très très hâte de commencer ces toiles. Parce que j'ai vraiment envie de tester... Les diamants carrés de A diamant painting. Et ça colle bien. J'avais oublié de te dire aussi. Non mais, ça colle très très bien. Youtubeuse en carton. Hop. Ensuite. Ah oui, celui-là, c'est le papa Noël. Le papa Noël. Regarde le papa Noël qui regarde à la porte d'une maison. Donc diamant carré 30 sur 40 24 couleurs, tout pareil que les deux premières toiles. Ici aussi ça va être pas mal de confetti. Le toolkit de base, regarde-moi ces couleurs. Donc, sachet zippé, du verroté,
Regarde-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. Oh, j'adore. Je suis tellement fan. Puis c'est super agréable de travailler avec ce genre de compagnie parce que t'as le moindre problème, ils te répondent direct. C'est vraiment cool, quoi. Par contre, ça fait... Il n'y a pas de pinces, je remarque. Pourquoi rajouter des pinces? Il n'y en a pas un bon pain de colle. Ce sera peut-être une suggestion à leur faire. Qu'ils rajoutent une pince dans leur kit. Elle était très bien enroulée. Du coup, tu peux mettre la lumière, s'il te plaît. Ah, tout de suite, c'est mieux, hein? Oui. Bien d'accord. Donc, voilà la toile. Donc, comme tu peux constater, c'est beaucoup du bloc sur le Père Noël, la porte et tout. Vraiment beaucoup, beaucoup de blocs. Ici, c'est des lignes, mais c'est pas du confetti. Par contre, encore non, ça va. Franchement, c'est pas trop confetti. Je te montre les symboles qui sont d'une netteté incroyable. Là, il n'y a même pas besoin de... Il n'y a même pas besoin de lumière, de plaque lumineuse. Dak peut aller se rhabiller. Hein. C'est tout comme Dak, quoi. Enfin, vraiment, on regarde. Les symboles, ils sont... Son regard, sont incroyablement beaux, quoi. T'as pas besoin de plaque lumineuse. Minus, hein. Je me rappelle que dans les premiers envois, les symboles étaient un peu flous sur certains. Et non, mais ceux-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont changé de fournisseur ou je sais pas. Parce que franchement, les symboles sont d'une netteté. Et puisque j'adore, alors je sais pas si tu verras. Mais les toiles sont pailletées. Les toiles sont pailletées, même sur le dessin. Ça, je kiffe. Alors. Ça colle excessivement bien. Donc là, tu vois des plis, mais c'est le plastique, hein. C'est pas... Il n'y a pas de rivière dessus. Donc, voilà pour cette troisième. Voilà pour cette troisième toile. J'y ai arrivé. Oh, j'ai cassé le plastique.
Oh, ne rigole pas, c'est pas drôle. Bibou, il se moque de moi, je te dis pas. Mais c'est bien pour une petite engueule, papa, t'as raison. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que souvent, sur certaines compagnies, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais les plastiques, ils sont tellement étroits que tu vois, que tu déballes ta toile, tu peux pas la remettre. Et que là, bah, du coup, ils sont bien, bien grands. Enfin, j'aime bien. De toute façon, tu remarqueras, moi, j'adore cette compagnie. Mais le seul petit point négatif, ouais, c'est qu'il manque une pince quand même. Alors, cette toile, je l'ai trouvée d'une mignonnerie. Non, mais comment tu veux ne pas craquer? Donc, le toolkit de base. Plus de base, tu meurs. Hein. Mais par contre, ouais, ils sont ultra généreux sur le pain de colle. Ultra, ultra généreux. Je te montre les diamants. 24 couleurs. Ouais, donc tu vois, c'est très Noël, hein. Bleu, tu vois. Tu soupçonnes que c'est la neige. Le rouge. Oui, Winty, t'es pas contente? T'as quelque chose à redire? Vraiment. J'adore. Donc, tu vas comprendre pourquoi j'ai craqué ça. Moi, avec mes deux chats et mon chien. Tu comprends. Et voilà, c'est un petit chat dans une chaussette de Noël. Donc, c'est bien parce qu'en caméra, on voit bien mieux. Parce qu'en vrai, on a du mal à... On a vraiment du mal à capter, enfin, à deviner le motif. Donc, les symboles, toujours aussi magnifiques, vraiment. Et sur celle-ci, il y a un peu de confetti ici dans la tête du chat. Sinon, c'est que des blocs. Voilà. Je peux pas dire que ce soit du confetti. Hein. Oh, franchement, elle est trop mignonne. Quand je l'ai vu, ça l'a dit, ah, je la veux. Puis il y a même un rouge-gorge. C'est pas choupinou. Eh, franchement, t'es obligé de craquer, quoi. Obligé de craquer. Excusez-moi, mon téléphone a sonné, donc j'avais une pause. Alors, la dernière, c'est une 40 sur 50, parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Je pensais... Alors, attends, je ne dis pas de conneries. C'est une toile Halloween. Le toolkit de base. Ouais, et même les 40 sur 50, même les 40 sur 50, il y a 24 couleurs. Je pensais qu'il y en aurait plus, tu vois, mais non. Il y a 24 couleurs partout. Non. Ah oui, d'accord, c'est juste que ça... C'est juste que c'est pas mélangé. Quoi? Bah, Bibou... Ouais, c'est juste que les sachets, ils sont mélangés, mais il y a bien les 24 sachets. J'ai eu un petit coup de panique, quand même. Tu
Tu vois, les sachets, ils sont mal rangés dans le truc, mais... Donc, tu vois bien que ce sont vraiment des couleurs Halloween, hein, pour le coup. Hein. Bon, on la fera peut-être l'année prochaine, parce que là, Halloween, ça peut passer, quoi. Elles sont belles, hein. Mais vraiment, les couleurs... Hein. Elles sont canons. Et tu vas voir, toi, j'adore. La toile est de très belle qualité. Elle est aussi épaisse que les autres. Je me répète, hein, mais sur une toile comme ça, tu l'enroules pas. Une fois qu'elle est déroulée, tu peux plus l'enrouler. Là, je l'enroule de l'autre côté. Dans le sens inverse, parce que c'est de la toile coulée. Donc voilà, c'est une petite fille. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette toile. C'est une petite fille avec son béret citrouille sur la tête. Et donc, elle tient une citrouille dans les bras avec des collants rayés. Et j'ai encore oublié de te dire les prix des toiles. Je suis une youtubeuse en carton. Oui, oui, oui. Donc, la toile, elle a des paillettes. Elle fait 24 couleurs. Et elle vaut, je te dis ça, tout de suite. T'as vu dans mon super cahier. Il est beau mon cahier. Je fais un cahier exprès partenariat. Alors, la toile petite fille. Petite fille colorée déguisée en Halloween. 40/50. Elle est à 18,97€ au lieu de 25,87€. La toile avec les petits chatons dans sa chaussette. Elle est à 8,62€ au lieu de 15,52€. Bonjour Bounty. Bounty vous dit bonjour. Bounty vous dit bonjour. Et la toile avec le Père Noël. Voilà, vous voyez, petite Bounty. Et la toile avec le Père Noël à la porte était à 12,07€ au lieu de 15,52€. Et j'ai eu... donc j'ai fait la commande le 30... octobre et le 30 septembre, je l'ai reçu le 13 octobre. Ah ouais? Ah non! Non! J'ai reçu le mail le 13 octobre, je l'ai reçu le 30 octobre. Le 13 octobre et j'ai reçu le colis le 30 octobre. Je vais y arriver! Oui, on y croit, on y croit, on y croit. Mais je rentre du kiné, je suis fatiguée. Voilà. Voilà, voilà. J'ai le cerveau qui part dans tous les sens. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc voilà mes petits loups pour ce unboxing vraiment super. Je suis très très contente. J'ai très très hâte. Très très hâte de commencer. C'est magnifique toile. Mais celle-ci, je me la réserverai. Pour l'année prochaine, je pense. Et j'ai hâte de te dire ce que j'en ai pensé. La toile colle magnifiquement bien. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Comme j'ai eu énormément de plaisir à la faire. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour la vidéo dédiée à la broderie au point de croix. Comment faire une toile, comment broder sur une toile vierge sans faire de nœud. Je te fais des gros 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 bisous et je te dis à tout vite dans une prochaine vidéo.